Francis Ngannou est né à Batié, village du Cameroun, il y a 37 ans. Le prédateur, comme on le surnomme, a vécu une enfance difficile. Il a été élevé dans une extrême pauvreté. À 22 ans, il prend la décision de se rendre à Douala pour se chercher une salle de sport. Objectif, pratiquer sa passion, la boxe. Une dizaine d'années après, le Bamileke est au sommet de cet art. Ça, il y a quand même de bonnes choses. La détermination qui a toujours été mon axe de focus. Et ce qui, quand même, je pense que c'est le plus grand élément qui m'a permis d'en arriver là, de franchir beaucoup d'obstacles. Donc ça, ce fut quelque chose qui, personnellement, m'a beaucoup aidé, moi, à avancer dans la vie. À travers l'histoire de ce gagnant en qui peu de personnes croyaient, la 6e édition de HEC CEO Talk a célébré l'excellence et stimulé auprès du public présent la résilience ainsi que la détermination nécessaire pour atteindre le sommet. Comme je l'ai dit, c'est vraiment son authenticité et le fait qu'il est resté fidèle à lui-même et toujours super ambitieux. Et que je pense que vraiment c'est ce dont on a besoin comme icône en Afrique. Et nous devons être fiers donc de cette icône-là, et nous devons donc la cultiver, et nous devons aussi apprendre auprès d'eux, et pour qu'ils nous inspirent, pour qu'ils inspirent donc la jeunesse, et c'est pour ça que nous avons fait venir. Et vous avez vu, en fait, donc, tout au long de son speech, c'était vraiment des leçons de vie, des leçons d'humilité, des leçons de persévérance, des leçons d'envie de continuer, d'envie de se battre. Et donc, je pense que c'est ce que nous, aujourd'hui, nous devons transmettre donc à toute l'Afrique entière. Les rencontres de HEC CEO Talk sont un dialogue captivant ainsi qu'une discussion instructive et inspirante entre le monde des affaires et les dirigeants éminents.